Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Toute l'équipe de Shabada est là, comme chaque dimanche à 17h, pour vous accueillir. Fabrice Rago à la guitare, David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Franck Delassoux au piano, et Yannick Hunier à la direction musicale et à la batterie. Et puis notre encyclopédie vivante de la chanson française, Jacques Pessis. Invité aujourd'hui, depuis quelques années, il a fait un retour en force. Aujourd'hui, c'est lui le patron. Son nouvel album m'a emballé. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. C'est Hugo Frey. Bonjour. Et bravo pour ce très bel album. Vous allez croire que je n'ai plus aucun esprit critique, mais je vais aussi vous dire que leur album est une vraie perle. Il s'appelle Trafalgar. C'est Archimède. Et si vous ne les connaissez pas encore, je suis ravie de vous les faire découvrir. Fred et Nicolas. Du groupe Archimède, et puis deux nouveaux, deux petits jeunes dans la chanson française. Ils sortent tous les deux leur premier album, Aurélie Cabrel, bonjour, et Christophe Ondelat, bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons chanter Johnny Hallyday, Alain Souchon, Nino Ferrer, et puis Nathalie Lhermitte, bien sûr, nous rejoindra tout à l'heure pour nous faire découvrir une chanson de Charles Trenet, Christophe, sur le premier grand serial killer français. Il s'agit de Landru. Ah. Ça doit... pas, ah, ben voilà, ça sera ça une découverte hein, pour Christophe Ondelat. Allez, faites entrer le chanteur, c'est parti. Hugues, je disais, votre album... Oui, bonjour. C'est Hugues, c'est à l'indienne. Hein. À l'indienne, bonjour. Votre album, c'est un enchantement, c'est incroyable parce que vous avez une espèce de fulgurance créatrice dans cet album. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Surtout que c'était d'autant plus nécessaire d'être créatif, ouais. C'est qu'il y a beaucoup de reprises de chansons qui sont des standards de ma carrière, mais auxquelles j'ai voulu redonner un sang nouveau. D'abord, les orchestrations ont été faites par des Américains, des musiciens exceptionnels. Ce qui fait qu'il y a une espèce de cohérence, qui fait que l'album est très agréable à écouter. Une cohérence dans l'incohérence, parce ouais. que j'ai voulu raconter un petit peu l'histoire de ma carrière, en résumé, en 17 chansons, c'est pas beaucoup. Et j'ai voulu simplement laisser entendre que pendant entre 1948 et 1958, date à laquelle j'ai fait mon premier disque, il y a eu 10 années d'errance, de vagabondage musical, où je gagnais ma vie en chantant tout ce qui me tombait sous la main et que j'aimais. Et j'ai voulu absolument qu'on retrouve cette espèce de dilettantisme amateur dans ce disque qui s'appelle... D'où le titre Troubadour 1948. Troubadour, parce que c'est le nom occitan, Troubadour. Et c'est également le nom tourne vers Aurélie Cabrel qui vient voilà. du sud-ouest. Hein, oui, oui, je m'adresse. et since 1948, puisque en fait, il y a une photo dans ce disque c'est le jour où j'ai pris la décision de gagner ma vie pour chanter, c'était en 48, et il y a la photo de ce jour-là. Alors on a le sentiment en tout cas, en écoutant cet album, que l'envie d'avoir envie que chantait Johnny ne vous a pas manqué. Oui, Johnny est un ami, et en venant ici, on m'a dit il faudrait que tu rendes hommage à un artiste que tu aimes bien. J'ai pensé que c'était le moment de dire à Johnny que je l'aimais bien. Oui, parce que en vrai, vous ne lui avez pas vraiment dit. Si. J'ai été le voir au théâtre, il était magnifique, et voilà, on attend avec impatience qu'il revienne sur scène pour chanter. Vous êtes allé le voir au théâtre, ce qui explique peut-être le choix de cette première chanson, quelque chose de Tennessee, oui, puisqu'il parce joue que c'est... du Tennessee Williams. Et puis j'ai eu le grand privilège de pouvoir la chanter avec lui une fois, c'était à Saint-Étienne, je crois. Ah ouais. Alors, quelque chose de Tennessee, un extrait. À ma façon. Avec Hugo Frey. On a tous... quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose de Tennessee. Oh, quelque chose de Tennessee. Mais quelque chose aussi, de Johnny. «
Christophe, vous l'avez interviewé, Johnny, j'imagine. Eh ben non. Non ? Ça reste un des grands mystères. J'ai super peur, en fait, d'interviewer Johnny Hallyday. Ah oui, mais pourquoi ouais. Bah, je ne sais pas, c'est un monstre sacré, donc c'est compliqué d'interviewer les monstres sacrés, je trouve. Voilà, donc il m'impressionne. Mais moi, les chanteurs m'impressionnent. Ce sont les personnages qui m'impressionnent le plus. C'est vrai, j'ai vu que vous en receviez très souvent, d'ailleurs, pour commenter l'actualité du jour. Autant que je peux. Ouais. C'est autant que je peux, je les aime vraiment, vraiment. Alors Johnny, bah c'est une voix, c'est une gueule, bien sûr, c'est un look qui a traversé toutes les vagues de musique. Je vous propose de regarder des images de Johnny, c'était en 1973, et bien sûr, c'est toute la musique que j'aime. Pas mal le costume de scène de Johnny avec les franges. Les images de Johnny que vous venez de voir sont issues d'un coffret sorti aux éditions Montparnasse qui contient 3 DVD collector génération Claude François à l'occasion des 40 ans du magazine Podium. C'est un très bel objet au format vinyle avec un livret de 16 pages écrit par Fabien Lecoeuvre et on y retrouve les images d'archives et des chansons de Johnny bien sûr mais aussi de Claude François, de Julien Clerc, de Pierre Perret, de Laurent Voulzy ou encore de Joe Dassin. Archimède, est-ce que ces années, vous êtes assez inspiré, j'ai le sentiment, par un swinging London des années 60. Est-ce que ces années 70, ces années Podium, elles vous amusent aussi ou vous les trouvez complètement ringardes et dépassées ? Non, non, nous, on ne trouve rien de spécifiquement ringard. On est très attachés justement au patrimoine de la grande chanson française. Contrairement à plein de groupes de notre génération qui chantent un peu plus en anglais, nous, on est attachés à des ritournelles des chansons de Hugo Frey, et plus loin Renaud, de Dutronc, tout ça, ça compte beaucoup pour nous. Alors justement, Hugo Frey, vous ne le savez peut-être pas, moi je ne le savais pas par exemple, mais Les Portes du Pénitencier, cette chanson de Johnny Hallyday, oui. Vous l'avez coécrite. Bien sûr, j'ai écrit, c'est Carlos qui m'avait demandé d'écrire les paroles pour Johnny, j'étais en tournée, j'étais très stressé, très précis. Il a fallu que je fasse ça très vite. J'ai demandé à Evelyne Bugy de me donner un coup de main. On a écrit Le Pénitencier, et donc, qui est une chanson d'origine folklorique, il faut bien savoir. C'est-à-dire ? Bah, voilà, comme ça. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner, je t'ai trop fait pleurer. Ô mère, écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues, ils iront. Du pénitencier bientôt vont se refermer et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. On peut pas essayer de chanter comme Johnny. Jacques. Cette chanson a un nom de code aussi que Johnny lui a donné, qui est le blues du bidas. Parce qu'à l'époque, il est à l'armée. Il faisait son service. Il faisait son service militaire. Et il se retrouve aux arrêts de rigueur, tout simplement parce qu'il est arrivé à l'armée avec sa Porsche flambant neuve et qu'il l'a garée à côté de la vieille 204 du colonel. Ça n'a pas plu. Il s'est retrouvé au pénitencier local immédiatement. Mais c'est, avec Johnny, c'est une vieille amitié qui remonte à l'époque où, tout débutant, il chantait au Vieux Colombier. Et il avait plusieurs sets, comme on dit, c'est-à-dire qu'il passait plusieurs fois dans la soirée. Il a cassé une corde de guitare, il n'avait pas de corde de remplacement. J'ai couru jusque dans ma chambre à l'hôtel, j'ai été chercher une corde de guitare pour la lui donner. Et là, notre amitié s'est liée avec une corde de guitare. C'est lié avec la corde attachée. Aurélie Cabrel qui sort son premier album, qui fait aujourd'hui sa première télé dans Shabada. Alors, c'est quand ça. On voit des doyens de la chanson comme Johnny, comme...
comme Hugo Frey, ça doit pas être facile quand même de se dire qu'il faut se faire une petite place. Bah non, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai, c'est vrai que à la maison j'en ai un grand aussi. Ouais. Là devant moi, j'en ai un grand, Gabriel. Encore un autre. Mmh. Tout à fait. Et non, c'est pas facile, mais je pense que la musique est intéressante parce qu'elle est variée. Il faut pas avoir peur des grands. On a tous sa place et voilà, je suis très heureuse d'être là en tout cas, vraiment. J'espère que vous êtes magnifique. Voilà, elle est magnifique. Vous entendrez tout à l'heure sa première chanson, premier extrait de son album. Hugues, je vous propose de rejoindre la scène maintenant de Shabada pour nous chanter un extrait de cet album. Et c'est justement une chanson des débuts d'Hugo Frey, des années 60, que vous connaissez peut-être dans la version de Richard Anthony. J'entends siffler le train avec cette version totalement différente et décalée de Hugo Frey. Qu'il valait mieux nous quitter, nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. Que c'est triste, un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai, dans la cohue des au revoir. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. Que c'est triste, un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. Que c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Que c'est loin où tu t'en vas. Que c'est loin. Auras-tu jamais le temps de revenir? J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Merci. J'entends siffler le train, premier extrait du tout nouvel album de Hugo Frey, Troubadour since 1948, sur lequel on trouve aussi Céline, Stu Ball, Santiano, Fanny, les incontournables finalement d'Hugo Frey. Je voudrais simplement dire que dans cette chanson, dans le disque, J'entends siffler le train, j'ai voulu la faire en duo et avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est venu, c'est Françoise Hardy. Françoise Hardy. Ouais. Qui n'est pas là aujourd'hui, mais non, je mais pense à elle l'album. Beaucoup. Ouais. Et c'est fou comme vos voix se mélangent, on se demande presque parfois. Et puis l'orchestration de Jean-Pierre Sabar, qui est un ami que Françoise aime beaucoup, qui nous a fait l'orchestration des cordes absolument magnifique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours aussi motivé pour créer aujourd'hui un nouvel album comme ça?
Moi, je fais ça parce que c'est un grand plaisir d'être sur scène, un grand plaisir de chanter des chansons. Comme Christophe, qui n'a pas besoin les musiciens, de faire payer ses chansons, puisqu'il les a mises en libre accès sur Internet. Hein. C'était une manière de... Enfin, c'est une manière de faire connaître ma musique, en fait. Il n'y a pas de raison de me faire confiance au premier album. Ça veut dire que vous n'étiez pas sûr En fait, j'essaye de me mettre toujours à la place des gens. Moi, on me dirait demain, David Pujadas fait un album. Je ne sais pas si j'irai l'acheter spontanément. Donc, voilà, je comprends que la démarche peut surprendre. Et donc, je me suis dit, pour mon premier album, ça sera gratuit. Après, j'espère qu'on pourra revenir à une économie viable. Sur scène. Et qu'ils viendront voir sur scène. Et alors là, du coup, vous avez combien de personnes qui sont allées voir par curiosité ? On a passé les 20 000 téléchargements. Ouais. D'accord. Fred, Nicolas, son frère, ils ont fondé le groupe Archimède, très remarqué par les médias. D'ailleurs, nous en avions parlé dans Shabada il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Un clip absolument remarquable que vous aviez fait avec de vieilles pochettes de disques d'albums vinyles. Votre deuxième album, Trafalgar, sort maintenant et vous êtes comme moi des militants. Militants de quoi ? Quelle est la cause que nous défendons les uns et les autres ? Celle de la chanson française, parce que l'album s'appelle Trafalgar, justement, clin d'œil à cette fameuse défaite face aux Anglais. C'est la revanche, l'album, en français. En quelque sorte, mais on est plus du côté du clin d'œil que du militantisme. Ouais. Enfin, on n'a jamais le poing brandi, mais c'est vrai que l'attachement à la langue française et le fait qu'on soit devenu presque tout seul à chanter en français dans les jeunes groupes de pop-rock fait que... on a envie de mettre l'accent sur cet aspect-là de notre musique. Effectivement, cet attachement à la langue française, on essaie de soigner nos textes, de chanter dans notre langue maternelle, et ça nous tient à cœur. Alors justement, musicalement, vous êtes très inspiré par la pop anglaise. Oui, complètement. Nous, on fait le pont, on fait le tunnel sous la manche. on aurait dû s'appeler Shuttle, presque. Oui, le tunnel sous les notes. Vous avez choisi Nino Ferrer, qui a fait un peu comme vous, qui a été très inspiré par la musique pop anglaise des années 60. Mmh. Et de Nino Ferrer, on va commencer avec le téléphone, par exemple. Bernadette, elle est très chouette, et sa cousine, elle est divine. Mais son cousin, il est malsain, je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole, Monsieur Gaston, lui s'occupe du téléphone. Gaston, y'a téléphone qui sonne, et y'a jamais personne qui répond. Gaston, y'a téléphone qui sonne, et y'a jamais personne qui répond. Gaston, y'a téléphone qui sonne, et y'a jamais personne qui répond. Gaston, y'a téléphone qui sonne, et y'a jamais personne qui répond. Sympa d'avoir choisi Nino Ferrer, qu'on n'entend pas finalement si souvent que ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter du Nino Ferrer aujourd'hui ? J'aime beaucoup cet artiste, et on sentait qu'il était un peu encanaillé dans certains refrains, qu'il savait qu'il faisait des chansons populaires, enthousiastes, et en même temps, on sentait aussi poindre une grande sensibilité derrière ça, et des chansons plus sophistiquées. Et... Qui mettait souvent en face B, d'ailleurs, comme Henri Salvador... Il mettait des chansons plus en creux sur les faces B des 40. Mais je pense qu'il n'avait pas du tout à rougir d'avoir fait ce qui sont devenus aujourd'hui des hymnes. Voilà. Oui, comme vraiment. Le téléphone, Mirza. Exactement. Et toutes ces chansons-là aussi. Jacques, le succès n'est pas venu tout de suite pour Nino Ferrer. Il a eu des débuts très difficiles, Nino Ferrer. Il a commencé par créer un trio de filles, Negro Spiritual, et ça n'a pas marché parce que les filles n'ont jamais réussi à trouver un rendez-vous en même temps toutes les trois. Mais comment ça, un trio avec lui qui chantait dedans ? Oui, et ça marchait, mais ça n'a jamais marché. Ensuite, il a fait un disque. Quelques semaines après, la maison de disques a déposé son bilan. Donc, il a fait quelques accompagnements dans les clubs de jazz jusqu'au jour où il a eu l'idée de parodier les yéyés et leurs textes qu'il trouvait débiles en créant sa première chanson qui a été un succès, d'accord. Qui était Mirza. Mirza, c'était une parodie, en fait. Une parodie du yéyé du rock'n'roll. Il est devenu le premier. Il a créé l'humour rock à l'époque. Ouais. Fred et Nicolas, vous avez aussi choisi et un bon. Nino Ferrer, une chanson de 1967. Et Christophe, comme j'ai vu que vous chantiez absolument tout le temps, vous êtes le parfait client de Shabada, je vous propose de faire des hauts et un bon avec eux. Ça vous tente ? Oui, je vais essayer.
Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. C'est extraordinaire ce gimmick, cette création de « Oh et un bon ». Jacques ? La chanson est devenue tellement populaire que « Oh et un bon » est entrée aussitôt en 67 dans le langage courant, et à tel point que pour la campagne des élections législatives où il y avait un fort taux d'abstention qui était prévu, on a créé une parodie que Suzanne Gabriello a chantée qui faisait « Voter un bon ». Ah, et bah c'est exactement. Et ça a incité les gens à voter, pas beaucoup, mais après il y a eu un an plus tard, mai 68, qui a tout changé. Voilà. Alors, Fred Nicolas, vous sortez donc votre deuxième album, il s'appelle Trafalgar. Le groupe Archimède reprend le principe de la poussée d'Archimède, c'est-à-dire quoi? Tout corps plongé dans votre musique en ressort comment? Inondé de bonheur et réjoui jusqu'à l'os. Alors, c'est vrai que sur cet album, il y a des chansons qui sont toujours faites avec beaucoup d'humour, hein, beaucoup d'ironie. L'un de vous a été prof de philo? Moi, ouais. Mais pas longtemps, hein, parce que je faisais aussi jeune que mes élèves, on sent quand même plus pitre qu'eux. On sent quand même la culture et les références derrière le deuxième degré. Bah oui, en même temps, faut pas que ça ressorte trop non plus, faut pas être cuistre, mais peut-être qu'il y a un goût pour la langue en tout cas. On peut penser à Jacques Dutronc par exemple. C'est gentil, c'est un maître pour nous. Alors, le premier extrait de l'album s'appelle Le Bonheur. Vous ironisez sur la tyrannie du bonheur, justement comme certains philosophes le font aujourd'hui, Pascal Bruckner ou Michel Onfray. Oui, alors tous les deux de manière différente. Hein, Pascal Bruckner, c'était l'euphorie perpétuelle, je crois, où il parlait du bonheur obligé. Puis Michel Onfray, il est plus du côté des hédonistes et des sirénaïques grecs. Enfin, voilà, on va pas faire de la philo. En tout cas, c'est une chanson très légère. Mais effectivement, le propos, c'est de dire que le bonheur, il n'est pas dans l'accumulation des biens matériels, mais dans une disposition d'esprit. Et voilà. Mais il faut le faire avec beaucoup de gaieté et de joie, et surtout jamais avec de la prétention. C'est pour ça qu'on fait de la pop, d'ailleurs. Voilà, Fred et Nicolas, je vous laisse avec légèreté rejoindre les membres du groupe Archimède pour nous donner un aperçu d'un extrait de cet album, Trafalgar. La chanson s'appelle Le Bonheur. Écoutez bien les paroles, parce que la félicité, ils savent où la trouver, tous les deux. Il faut aller la chercher dans les syncopétries, dans les contrepétries, par exemple. Archimède, Le Bonheur. Que tu ne sois qu'un loser sans Rolex à ton bras, l'important c'est ton bras. Qu'importe si diplômé d'un master, tu livres encore des pizzas. Le bonheur n'est-il pas ailleurs? Dans les syncopétries, dans les contrepétries, dans l'art d'être incompris. Le bonheur. Même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois pas ce footballeur qui palpe un million par mois. Tu roules en Porsche sur PS3. Qu'importe si tu n'aimes pas tes rondeurs, nous autres on les aime pour toi. Le bonheur n'est-il pas d'ailleurs dans les syncopétries, dans les cartes on complie, dans les cartes qu'on déplie. Même les rousses peuvent y prétendre. Tant qu'il est vrai que le bonheur est tolérant, qu'ils font de sous-croix au hasard sur la
Archimède, le bonheur, qui est un extrait de l'album Trafalgar, deuxième album d'Archimède. Comment vous avez trouvé la chanson, Hugues ? Super, moi je trouve que c'est très agréable parce que c'est pas du bruit. Et ça, c'est quand même de la musique, et c'est de la musique rythmée, c'est de la musique que j'aime beaucoup. C'est très anglais, et je dois dire que j'aime bien, et en français, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Merci. Et Archimède est actuellement en tournée dans toute la France. Allez les voir, ils sont sûrement près de chez vous. Et je vous assure que tout l'album vaut vraiment le détour. Christophe, alors avant d'évoquer votre album, votre future tournée, vos scènes que vous allez faire, je vais vous demander d'accueillir Nathalie Lhermitte, parce qu'avec Jack, ils vous ont préparé une petite chronique rien que pour vous. Merci d'accueillir notre chanteuse à nous, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Jacques, alors Christophe, en 99, on s'en souvient, hein, vous avez lancé un magazine qui s'appelait d'ailleurs pas Faites Entrer l'Accusé, ça s'appelait Histoire 2 au départ, tout puis début. C'est devenu Faites Entrer l'Accusé. Suivront 11 ans de succès sur France 2. Les meurtriers, c'est vrai, fascinent. Ils vous fascinent aussi ? Ils fascinent le public ? Ils m'ont fasciné, enfin disons intéressé. Fasciné est un mot malsain. Derrière, il y a toujours des morts, il y a des victimes, il y a des gens qui souffrent. Oui, mais c'est un peu malsain aussi, voilà, quand même, de toute façon. Ça peut être malsain comme fréquentation, le crime et la fréquentation de Faites Entrer l'Accusé, parfois limite. Il y a des gens qui me racontent de drôles d'histoires. Jacques. On va revenir au 7 novembre 1921, le jour où débute le procès que tout le monde attend à Versailles et Henri Désiré Landru, 52 ans, est accusé du meurtre de 10 personnes qu'il aurait fait brûler dans ses cuisinières. Cuisinière qui est au centre des débats et au centre du tribunal. Et ce jour-là, il y a le tout Paris dans la salle. Mistinguette, la reine des années folles, Colette, jeune écrivain, Rému, jeune comédien dans débutant. La salle du procès, c'est comme un spectacle. C'est un spectacle. Et tous les journaux en parlent. Et à l'époque, on fait des dessins pour évoquer le procès. Et un jeune homme, un adolescent, et chez lui, il a été victime d'une paratyphoïde à Narbonne. C'est Charles Trenet. Il va dessiner avec sa première boîte de peinture les dessins, justement, de Landru. Et il va s'en souvenir beaucoup plus tard pour faire une chanson qui s'appelle, justement, Landru. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru. Toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Landru, Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, Landru, un ramoneur est venu. Il a trouvé dans ta cheminée un nez calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic, énigmatique, tu restas hiératique. Landru, Landru, en jaquette, en bottine, y a une veuve qui t'a eu la guillotine. Christophe Fondelat, alors vous avez sorti cet album, c'est vrai qu'il a été extrêmement controversé, beaucoup de critiques, beaucoup d'agressions aussi, et finalement, enfin, beaucoup, je trouve finalement, que non, mais... vous avez, vous, plutôt une démarche assez modeste, qui est de dire, voilà, moi j'aime chanter, je vous offre ce que je fais, et puis ceux qui ont envie peuvent toujours aller écouter, les autres ne sont pas obligés. Moi, je voulais aller au bout de ce rêve, je suis vachement content, je me suis levé ce matin en disant, ben voilà, tu vas faire ta première télé, c'est la première fois que toi qui es animateur de télévision, tu vas t'asseoir sur un banc, puis tu vas chanter ta chanson, c'est très émouvant, voilà. Vous avez pris des cours de chant ? Non, j'ai travaillé tout seul, mais je crois que cette histoire de voix, on croit qu'on fait ce métier, notamment le métier de journaliste à la radio, comme ça, un peu par hasard, non. Moi, ça m'a intéressé la voix, j'ai réfléchi à comment m'exprimer. Ça fait très longtemps que je parle, non pas en voix de gorge, mais à la radio, en voix de ventre, depuis très très longtemps, donc ça ne m'a pas posé de problème pour chanter. Alors, on a déjà pas mal entendu le premier extrait de cet album qui s'appelait Dr House. Voici maintenant un nouveau titre, ça s'appelle Ou pas. C'est aussi le titre de cet album de Christophe Fondelat. C'est le moment d'aller rejoindre nos musiciens qui vont jouer avec vous pour cette chanson de Christophe Fondelat, Ou pas. Je serai fidèle ou pas. Si j'étais honnête ou pas.
je serai loyal ou pas. Si j'étais un ange ou pas. Ou pas, ou pas. Pas non, pas non. Tais-toi, tais-toi. Tu es fou, chelou. Je serai sordide ou pas. Si j'étais solide ou pas. Je serais cretin ou pas. Si j'étais malin ou pas. Ou pas, ou pas. Pas non, pas non. Tais-toi, tais-toi. Tu es fou, chelou. Heureux ou pas. Si j'avais tes yeux ouverts et le cœur un peu pervers, je serais heureux ou pas. Ou pas, ou pas. Pas non, pas non. Tais-toi, tais-toi, tu es fou, chelou. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas non, pas non, pas non. Tais-toi, tais-toi, tu es fou, chelou. Christophe Onglat pour la première fois à la télévision. Merci Christophe. Ou pas. C'est le titre de l'album, c'est le titre de la chanson. Et évidemment, Christophe, ça me donne envie de vous faire un petit questionnaire ou pas, oui. Auquel vous allez répondre par oui ou par non. Alors, est-ce que vous savez que vous faites des grimaces en chantant oui. ou pas avant c'est la pas scène, le track ou pas. Non. Non, pas de track. Non. Ah, formidable. Les critiques, ça fait mal ou pas. Oui, bien sûr que ça fait mal. Forcément, on met énormément de soi, c'est très intime tout ça. Alors, quand quelqu'un en face dit c'est nul, c'est naze, ouais. C'est ni fait ni à faire, évidemment, ça fait mal. En même temps, on l'entend, hein, c'est un droit, le droit de critique. Voilà. Le ridicule, ça tue ou pas. Non. Le ridicule tue pas. Enfin, pour ça, il faut avoir, je pense, un certain âge pour passer l'histoire du ridicule. Je pense que jeune, on a peur d'être ridicule. Puis après, non. Sinon, je serais pas là. Hein. Je sens bien que ça peut être ridicule, ma démarche. Tout lâcher pour la musique ou pas. Why not? Ah ouais. En tout cas, Aurélie Cabrel, je me demande si je vais vous poser les questions que tout le monde vous pose et que tout le monde se pose ou pas. Allons-y. Voilà. Être la fille de Cabrel, ça aide ou pas? Évidemment, d'être la fille de quelqu'un qui fait ce métier-là, quand on veut faire le même métier, ça peut avoir quelques avantages. On peut décrocher des rendez-vous peut-être plus facilement. Les portes peuvent s'ouvrir, mais peuvent encore plus facilement se refermer. Je pense que si le talent n'est pas là et si les gens ne vous aiment pas, ça ne sert pas à grand-chose de s'appeler Cabrel ou Goldman ou Dutronc. On en parlait tout à l'heure. Le talent, c'est héréditaire ou pas? Alors, celle-là, on vous la pose moins. Non, ça, c'est une question piège parce que je n'ai pas encore chanté. Alors, non, le talent, non, c'est... Non, je ne pense pas que le talent soit vraiment héréditaire. Enfin, je ne pense pas qu'en général, ce soit vraiment vrai. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est héréditaire, c'est l'amour de l'univers dans lequel on grandit, l'amour du métier. Quand on voit ses parents faire un métier avec amour, évidemment, on a tendance à vouloir y plonger dedans aussi, quoi. Vous avez commencé comme manager. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, vous n'étiez pas convaincu que vous aviez cette envie de chanter, d'écrire. Si, je savais que c'était au fond de moi parce que depuis toute petite, j'ai fait des vocalises très très tôt. J'étais un bébé qui dormait pas beaucoup la nuit. Donc, au grand désespoir de mes parents, j'ai beaucoup pleuré. Ils ont vite entendu ma voix.
Non, j'étais plus dans le théâtre, j'étais plus... voilà. Juste une parenthèse, parce que j'y pense là, Sarbacane, c'était pour vous ? Oui, c'est moi. Ah, c'est beau. Voilà. C'est très, très beau. Et là, voilà, bout de femme. Voilà, c'est ça. Aurélie, alors, Alain Souchon. Oui. Vous avez choisi L'amour à la machine. Oui. J'aime beaucoup ce texte. Je trouve qu'il y a une espèce de subtilité, d'autodérision, enfin de dérision sur les choses, voilà, les choses qu'on connaît tous, c'est-à-dire l'amour. Et voilà, je trouve ça génial. Et je me tâche toujours avec l'eau de Javel. Bon, ça, c'est une parenthèse qui n'intéresse personne, mais voilà, j'adore ce texte-là. Donc, voilà. Alors, il faudrait pouvoir passer notre amour à la machine, le faire bouillir. Allons-y, Aurélie. Avec plaisir. Passer notre amour à la machine, faire bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'autre Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le glaudement baiser du début, tant d'azur perdu. Passer notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs de la blancheur nous croyait éternelle avant. Matisse, l'amour, c'est plus difficile. Les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie de ta basse. Et alors, elle passe. Aurélie, vous l'avez déjà rencontré, j'imagine, Alain Souchon. Oui, et le petit clin d'œil aujourd'hui, je voulais le faire pour lui parce qu'en fait, je me rappelle que à chaque fois que je le croisais dans les loges quand j'étais toute petite, il avait donc une chevelure assez électrique. Et à chaque fois, avec ma petite sœur, il nous disait « Les filles, appelez-moi l'araignée, appelez-moi l'araignée !» Donc du coup, on m'a dit « Il faut que tu fasses des refrises ». Je me suis dit « Allez ». Ce sera Alain Souchon. Voilà, pour Alain Souchon, si il nous regarde aujourd'hui. Deuxième extrait, c'est Foule Sentimentale. Forcément. Chanson, cette fois, qui fait un petit peu écho à celle d'Archimède de tout à l'heure. Consommer, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Exactement, je pense que c'est important de le dire. Foule Sentimentale par Aurélie Cabrel. Sentimentale. Et puis dans un instant, vous allez nous faire découvrir votre première chanson extraite de l'album Oserais-je. La chanson s'appelle J'ai cherché. D'abord, je vous propose de retrouver Alexandra Baldé pour les coups de cœur, nouveautés de Chababa. «
Bonjour Alexandra. Alors cette semaine, j'ai craqué pour une fille extraordinaire. À mon avis, on va vraiment entendre parler d'elle. Son nom se compose d'une seule lettre, la lettre L. Donc, on va entendre parler d'elle, effectivement. Ah oui. Alors, cette lettre L représente en fait son nom de famille, mais Raphaël Lanader n'est pas qu'une initiale, même si c'est le nom de son album, mais c'est une voix et une plume bouleversantes. Pour la petite histoire, elle a démarré dès l'âge de 7 ans à chanter le répertoire de Brel, de Ferré, de Barbara. Elle faisait payer les tickets d'entrée à ses concerts à tous les membres de sa famille. Et puis plus tard, elle s'est mise à étudier des polyphonies tziganes, bulgares, corses, également le fado, le gospel. Et puis elle nous délivre enfin, des années plus tard, un album de choc, bouleversant. On va regarder tout de suite un extrait de Jalouse en images, regardez. Les parfums de l'été que tu cherches dans la rue, comme un refrain perdu que tu veux retrouver. Tout ce rouge carmin sur des lèvres gourmandes, quand les miennes ne commandent que des baisers copains. Les regards amoureux de tes vieilles idylles, quand elles mendient tes yeux d'un battement de cils. La foule qui n'a pas vu que tu tenais ma main, et qui me met à nu quand elle t'emporte au loin. Jalouse, jalouse des fleurs et du vent, des tempes andalouses et des goélands. Jalouse, jalouse comme les enfants de ceux qui me prend ton corps un instant. Donc Jalouse est extrait de l'album initial de Elle. Elle sera en concert également le 7 décembre à La Cigale à Paris. Et puis, comme vous le chantiez si bien, Hugo Frey, dès que le printemps revient, eh bien, elle sera en tournée dans toute la France. Et puis, Alexandra, un livre sur Renaud. Oui, parce que Hugues, je sais que vous avez une tendresse toute particulière pour ce chanteur. D'ailleurs, vous avez signé la préface de ce très bel ouvrage, Renaud et s'il n'en reste qu'un, d'Alain Wodravska, avec le concours de David Séchant, qui n'est autre que le faux jumeau de Renaud. C'est un livre qui a aussi un tas de photos inédites à l'intérieur de la photothèque familiale. Des photos qui viennent de la famille, des photos privées, des photos perso, et celle-ci avec Hugo Frey d'ailleurs. Voilà. C'est quand on avait chanté pour Éthiopie, là. Oui. Oui, oui, mais c'est un très beau livre, je l'ai eu, il y a des photos absolument magnifiques. Ouais. L'autre jour, j'étais avec lui, je lui ai dit quand même, on peut dire que c'est vrai, il a beaucoup de talent, il écrit des chansons magnifiques, il les chante d'ailleurs mieux que n'importe qui. Mais je dis quand même, tu dois beaucoup ton succès à ton physique, parce qu'il a une sacrée gueule sur les photos, il est magnifique. Oui, le chanteur le plus tatatin de sa génération. Ah oui, oui. Voilà, Renaud, et s'il n'en reste qu'un, qu'on aimerait voilà, bien qui sort aux éditions Hugo & Co. Merci Alexandra, la semaine Merci. Prochaine. Aurélie, votre album s'appelle Oserais-je. C'est ce que vous êtes dit, sans doute, j'imagine, au moment de franchir le pas et de vous lancer dans la chanson. Alors, je pense que c'est ce qu'on se dit tous, oui. À un moment donné. Ce que s'est dit Christophe. Voilà, je pense qu'on se l'est tous dit à un moment donné. Moi, évidemment, effectivement, c'est un impact en moi un peu plus important. Voilà, après avoir managé des groupes, tout ça, je me suis dit, allez, hop, je passe le pas. Et du coup, je l'ai appelé comme ça. Voilà. Et alors, c'est amusant parce que le premier extrait de cet album s'appelle « J'ai cherché », donc une balade un peu mélancolique. Mais on a l'impression que vous êtes beaucoup, beaucoup pris la tête pour savoir s'il fallait ou non faire de la chanson votre métier. Vous avez écrit 6 titres sur les 12 de l'album. Oui. Vous y parlez de la difficulté de passer de l'ado, par exemple, à la jeune femme que vous êtes, vos fragilités. Et puis, musicalement, c'est un album pop-rock avec des traces électro qui est très agréable à écouter. Aurélie, je vous laisse rejoindre la scène de votre première télé, Shabada, pour interpréter un premier extrait de cet album, J'ai cherché, Aurélie Cabrel. J'ai cherché dans le ciel la trace d'un immortel, rien dans le ciel. Au désert désiré, l'éternité, tout a mietté. J'ai retourné la terre, la question de l'univers, que de la poussière. J'ai fait parler les pierres, j'ai exigé la vérité.
Aurélie Cabrel, j'ai cherché, c'est un extrait de son premier album. L'album s'appelle Oserais-je, il est déjà dans les bacs. Et puis Aurélie est en tournée dans toute la France cet automne avec le 29 novembre une scène parisienne au Réservoir. Merci et bravo Aurélie. Merci à tous. Je rappelle les titres de ces quatre albums à découvrir. Celui de Hugues Aufray, Troubadour, Since 1948. Merci Hugues d'être venu nous en chanter un extrait. Celui de Christophe Ondelat, ou pas. Celui d'Archimède, Trafalgar. Et puis celui d'Aurélie. Oserais-je. Rendez-vous dimanche prochain, évidemment, à 17h pour un nouveau Shabada. Et d'ici là, n'oubliez pas de chanter. Vous savez, ça fait toujours du bien. Bonne fin de journée à vous.